vie. J'avais pas du tout prévu de commencer comme ça. C'est une petite surprise. On vient à peine d'arriver, on ne se connaît pas. Vous connaissez Cédric. Romain, bonjour Romain. Alors, on ne s'est pas encore dit bonjour, mais voilà, c'est super. Allez-y, allez-y, je la regarde. Et vous, vous êtes frère ? Frère jumeau, en fait. Frère jumeau. Énorme, énorme. Alors, après, il faut que j'aille dire Rockers, Romain et Florent. Non, la curiosité, c'est que vous roulez dans Nantes avec ça ? Oui. Sans difficulté ? Eh ben non, c'est vrai que bon, je prends pas les parkings souterrains, mais sinon après... Tu mettre le micro. C'est comme les fourgonnettes en fait qu'on voit, hein, au final c'est pas plus difficile que les fourgonnettes de livraison. Si elle arrive à s'enfiler, là elle fait 5,60 m de long et... Okay. Attends, Romain, juste une question, parce qu'on se connaît pas, on arrive, encore une fois je te dis, on est moi. Là c'est la vraie vie, c'est le vrai... Mais... Comment ? T'as quoi ? T'as 30 ans même pas ? Si, je viens d'avoir 30 ans. 30 ans ? Ouais. On décide, en vivant à Nantes, d'acheter une Cadillac, c'est presque les dernières de cette folie-là, on va dire, les 76, 77. Après, ils ont commencé à faire des plus petits. Bah là, déjà, c'est le premier modèle où ils commencent à réduire la taille. Voilà. Mais d'en acheter une, d'habitude, les gens, ils la gardent dans leur garage. Toi, tu t'en sers tous les jours. C'est venu comment ? C'est ça, la question. En fait, c'est que d'habitude, je roulais en voiture japonaise. Ouais. Et je me suis dit, bon, je veux quand même aussi un V8 pour rouler quotidiennement, parce que je n'ai pas vraiment de gros trajets à faire. Mais tu consommes combien ? Et bien là, je consomme pas mal du coup, parce que j'ai une petite fuite en plus de carburant, donc je fais à peu près 160 miles avec un plein. Et le réservoir, c'est à peu près... Ah oui, c'est vrai que t'es en miles, ben oui, oui, forcément. Et elle fait à peu près 90 litres. Donc, ah ouais, quand même, ouais, pas mal. Mais les gens se poussent quand ils te voient arriver, les flics t'arrêtent en te prenant pour Pacino, les femmes te courent après en jetant leur soutien-gorge. C'est parce que c'est hein vu la petite mais c'est ça l'Amérique. C'est génial. Hein, d'avoir tout blanc et ah ben ouais, tu l'as aussi. On l'a reçu, on l'est pas. Hein. Ah ouais, on est affranchi. Il y a la pelle et tout, je crois pas. On est affranchi, on l'est pas. C'est génial. Tu vois que tu craques. Ça fait aussi. Oh, regarde. Attention, ah, tu déconnes pas. C'est un vrai, tu crois? Bah, attends, je sais pas. Mais non, fais gaffe. Tire, hein, fais gaffe. J'ai touché, il y a mes empreintes. Attends. Non, mais le mec, il est raccord. Parce que, tu sais, ça fait ses lore et loula aussi. Mais oui, là, oui. En route, Romain. Ouais. En route. Ça va, Frédéric? Vous êtes contente d'être venu? Vous qui aimez les alphas? Hein, il fait chaud, là. C'est normal qu'il y ait des chaud. Oui, on risque d'avoir très chaud parce qu'en fait, il reste bloqué le. Ah, ouais. Ah, c'est ça qui fait que ça consomme énormément. Non, pas ça, mais ça devrait peut-être un peu jouer. Ouais. Il y a beaucoup de choses à régler quand même. Ouais, là-dedans, ouais. Hein. Ouais, mais pas comme ça, je trouve, par rapport. Je t'avais dit que je te ferais voir du pays. Hein. Tu regrettes pas? Moi carte, devant, j'ai pas sur de... la carte grise, c'est 6, t'as une même une ceinture. Ah, j'ai une ceinture, c'est vrai? Ah bon, elle est où? Une ceinture, elle doit être. Ah oui. Oh, il fait chaud là-dedans. Et le gun, c'est un faux parce que s'il est flic. Oui, oui, ah, oui, ah oui, oui. Non, parce que non, ça fait. C'est en vrai. Ouais. Ah ouais, ouais, il est pas mal là. Bon, on ira pas vérifier s'il est bon. Hein. Sur les annonces aux États-Unis pour 2000 $, il y en a plein. Ouais. Donc c'est on roule décalé, c'est sympa quoi, et ça nous permet justement de goûter justement toutes ces. Enfin, de vivre un peu à travers nos séries, notre enfance. Ça qui est bien quoi. Ouais.
c'est énorme. C'est quand on vous voit dans la rue avec les barbes, les filles et tout, ça fait vraiment gangster. Genre, on a ouvert le Boujaba Club ou le Manhattan Club. Ah ouais, c'est énorme. Ça baisse pas là.